Bonjour à tous, bonjour à toutes. On va continuer notre petit jeu. Bon, j'ai demandé à construire des murs pour diminuer la température ici dedans. Hein, parce que là, pour le moment, on est en extérieur. Et je veux passer en intérieur. Ensuite, ici, j'ai créé une nouvelle petite zone, temporaire aussi, comme je l'appelle. Par contre, je dois tout effacer et je dois la mettre en basse. Je n'accepte rien dedans et donc tout ce qui tombe sera quand même comptabilisé dans ce que nous avons besoin. Je pense que nous allons agrandir un petit peu cette zone ici. On va supprimer tout ça. On va agrandir celle-ci, voilà, et pourquoi pas agrandir celle-ci également. On n'a plus de viande, donc il faut passer ici après 4 plats simples. On va également accepter le riz cru. Enfin, qu'on voit la viande et le riz, voilà. Et je vais te redescendre à 6. Du moment que j'ai niveau 6, même si je les empoisonne, c'est pas très important. On va également modifier la base, les zones. En tout cas, on va vérifier nos zones. La zone de la base, on va un peu nettoyer tout ça. Hein. En même temps, pourquoi pas, n'est-ce pas? Voilà. Là-bas, c'est moins important. Par contre, je voudrais bien... Ah, ici aussi, il faut un peu nettoyer. Voilà. Dans cette région, là, c'est fait. Je souhaite augmenter les zones de carnivores. Alors, zone de carnivores, c'est OK. Zone de carnivores, intramuros, c'est OK. Carnivorine, tu viens ici aussi. Non, carnivorine, tu restes bien comme tu es. Sauf que tu vas augmenter, bien sûr, tu augmentes tout ceci. Carnivorine. Carnivore intramuros, même chose. Et carnivore tout court, même chose. Même si tu bouffes un peu de viande, bon, tant pis, on va pas trop rouspéter, c'est pas trop grave. Ensuite, herbivores, bien sûr, vont se prendre, ça c'est fait. Par contre, je dois t'enlever chez herbivores. Herbivores, je te supprime ceci. Je te supprime herbivores intramuros, les 4 bidules là, et le herbivorine, les bidules ici. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Quand même, les zones, j'ai pas fini. Les zones autorisées. Herbivores, ça c'est OK. Herbivores intramuros, on va augmenter cette zone jusqu'ici. Voilà. Et pourquoi pas ici également. Et ici. Ok. Est-ce que vous pouvez ici également? Right. Herbivorine, ça bouge pas. Herbivore intramuros, c'est fait. Et herbivore tout court. Et tout long aussi. Carnivore, oui. Carnivore intramuros, vous venez ici également. Et un petit peu par ici aussi. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. J'ai demandé la construction de ceci. J'ai demandé d'envoyer des pièges un petit peu partout. Projet de recherche, lien psychique, c'était fait.
un chef-d'œuvre, un bouclier d'énergie, ok. Ensuite, donc, ben, si le bouclier d'énergie est fini, on a terminé ici également. Donc, je peux couper le jus. Là, il me resterait normalement du biocodé à faire. Je crois que j'ai un petit biocodé. C'est quoi ça? C'est un biocodé. Donc, on voudrait bien qu'il soit fait. 27 jours. On verra bien. On ne sait pas quand. Là, on a du courant. Ok. On continue. Grizzly fait à manger. Beaucoup de travail un peu partout. Ceci va être déplacé. Ici, ça serait parfait. Et l'autre viendrait un petit peu plus par ici aussi. Disons ici. Et le petit truc qui ne nous gênera pas viendra ici. Chauve, tu transportes jusqu'à une porte. Anarchiste, tu vas t'occuper de déplacer la batterie, la lumière et l'autre lumière. Ok. Jean, je voudrais que tu me fasses quelques petites sculptures en plus. Et de préférence, des blocs d'ardoise. Pourquoi des blocs d'ardoise? Surtout pas ça. Parce qu'on creuse dans l'ardoise pour l'instant, je pense. Un plafond s'est effondré. Ah. J'ai pas eu de tué, non, ça va. Ok. Pourquoi est-ce que j'ai un plafond qui s'effondre? J'ai demandé un plafond, moi. J'ai pas demandé de plafond. Donc, le plafond, pour le moment, il est comme ceci. Et il est comme ceci. Donc, il ne devrait plus s'effondrer, puisqu'il y a un mur. Et là, il y a un mur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ce morceau-là qui s'est effondré. Mais bon, il faudra qu'on construise le mur. Hein. C'est quoi cette histoire? Anarchiste, tu me fais quoi? Ok. Et ensuite, tu vas apporter l'ardoise. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il y a quelqu'un qui s'est amusé à me construire des murs. Des plafonds, pardon. Oui. Ben, de nouveau. Alors, qui est-ce qui me fait des murs pour le moment? Finir par avoir quelqu'un qui va être blessé dans cette histoire. Ok. On va dire que ignorer la zone de plafond ici. Hein? Je veux pas que vous me fassiez quelque chose là, les gars. Ok. Ouais, ça devrait aller là. All right. Allez. Messieurs, mesdames, vous êtes invités à bien jouer. Doublez la vitesse, s'il vous plaît. Alors. J'ai demandé plein de trucs là. Alors, quand on fait des joints, ça marche, les joints. Vous recevez de l'XP, mais ce n'est pas sur le temps que vous fabriquez, c'est uniquement après avoir construit, après avoir fabriqué. D'accord. Donc là, on est sur Vache qui va me soigner Sky. Sky, tu as... T'as une grippe, hein. On va te soigner ça vite fait. Hein. T'en es où? T'es à 55% pour 49%, ok. Un médicament herbe médicinale devrait être suffisant. Oh, un copain. Vache, ma chérie, que me fais-tu maintenant? Une fois que t'as soigné Sky, tu vas venir... une fois que tu as soigné Sky, vache,
tu viendras chasser l'iguane. Voilà. Bah vas-y, pète tout, casse tout. Va, tire pas. Hé là! Ah, quand même. T'as tout cassé. Bah, on va réparer, hein. On va réparer. Alors, anarchiste. Tu manges des pâtes. Non, je voudrais que tu me vite, tu me fasses ça. Je sais que t'aimes pas trop, mais... Ok. Fais ce que tu veux et on va demander à quelqu'un d'autre. Domdan, par exemple, qui va continuer à la fonderie. Et tu me transportes 11 aciers. Bien. Ensuite, tu recycles une arme, laquelle? Ah, tu vas déposer ça là-bas, ok. Tu peux le déposer là et revenir ici. Voilà, tu as pris surtout celle que je voulais que tu démolisses. Parfait, tu as fini, tu viens me désactiver ça et tu me le finis. Ok. Tu fais ce que tu veux, tu récoltes, c'est bien, c'est plus important qu'autre chose. On a encore un petit peu de patates. 33, donc c'est pas énorme. Ok, allez, petit jeune. Ok, donc ici on voit que nous sommes à ciel ouvert, pour le moment toujours, mais nous ne sommes plus en extérieur. Ce qui veut dire qu'à l'extérieur j'ai 45, et ici j'ai moins, j'ai 44. On va vérifier nos toits cette fois-ci. Et cette fois-ci on a des toits partout. Ok. Partout sauf bien entendu au-dessus des plantes, hein, ça. Ce qui est logique. Ça devrait diminuer au fur et à mesure qu'on avance. Alors, mes animaux, pas de problème. Ils ont à manger. Donc 4 avril mai et normalement ça pousse 40 degrés extérieur 40 degrés intérieur 39, il n'y a pas une grande différence, hein, on peut dire là sincèrement, effectivement il n'y a pas une grande différence. Ok, là encore 30 patates, ça va. Ok, ils sont guéris d'indigestion, c'est bien. Ils ont bien vomi partout. Mais je préfère que ce soit les dromadaires que nos colons. Ah, il faut que je sois en ouais, base, ok, donc vous êtes, ah, et toi tu dois être comme ceci aussi, hein. Sans quoi, ça n'ira point, ok.
Est-ce qu'on a commencé à construire ici? Ah, il faut aussi ces trucs-là. Donc, mes animaux, je suppose qu'ils sont herbivores, ok, carnivores, ok. Mur à 100%. Alors, est-ce que vous êtes bien dans une zone? Oui. Et vous autres, est-ce que vous êtes dans une zone? Oui. Donc, normalement, on va aller les récolter. Voilà, vache est partie s'en occuper. Parfait, c'est bien ma chérie. Alright. Alors, je ne sais pas si ça vaut la peine de les planter. Maintenant. On va quand même les laisser planter, hein, mais... Un grossiste, ça c'est une bonne idée, ça. Jean, t'as pas encore eu ton chapeau, toi. Maker, fais-moi le chapeau, s'il te plaît. Chapeau melon. Bien sûr. Anarchiste. Je voudrais que tu... tu remplisses. Merci. Normalement, ici, tu devrais m'apporter du riz. Okay. Ici, je ne dois pas... Ouais, tout est effacé. Hein. Ouais, ok, c'est bon. Ok. Bon, mes petits-enfants, qu'est-ce que nous avons de joli qui vient d'arriver ici? 3 étoiles. Ça se passe où? Ça, c'est chez nous. Ça, c'est bien. C'est bien, ça. Ça, c'est... Uranium, c'est très bien. Le reste, non. Et la faveur royale. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau? Un dessin mécanoïde a attaqué ses colonies. Il veut que vous fassiez diversion afin de les distraire pendant qu'il éradique les saints. Ouais, tu vas me laisser tout boulot, tu veux dire. Si vous le faites, un groupe de mécanoïdes atterrira. Alors, 4 centipèdes, 4 faucheurs, 5 lanciers, un piquier, un cracheur de fumée. Ah, qu'est-ce? Le cracheur de fumée, ça empêchera mes trucs de fonctionner, je crois. Un activateur, un bouclier anti-mortier, 4 balises de largage, 2 assembleurs de mécanoïdes. 4 tourelles de lanceurs et 2 tourelles de blaster. Le 3 étoiles. 4 centipèdes, c'est beaucoup quand même. Ça fait 8, 9, 9 et 5, 14. Donc on sait d'office que les 4 balises, ça fera 8 mécanoïdes en plus. Plus au moins 4 ici aussi pour les assembleurs. Un truc empoisonné, donc ça... Ouais. 'en ai marre des mécanoïdes. Je crois que j'en ai assez comme ça sur le dos tout le temps. Moi, j'ai besoin de récupérer
du matériel, quoi. Là, je récupère rien du tout. Hein. C'est... Va te faire voir. Allez, hop, au revoir. Non, on ne veut pas. On ne veut pas. On ne prend pas ce risque-là. Je trouve qu'il n'est pas... Il n'est pas rentable pour moi, pour l'instant. J'ai d'abord besoin... Alors, on va un petit peu vérifier notre température. Il fait combien ? 22. 22 degrés, c'est parfait. Ok, de partout. 21. Donc tout ça, c'est bon. Toi, tu as du 19. Ok, ben, tout est parfait. Et ici, j'ai du moins 4. Donc, ok. Je pense que tout est bon comme ça. Alors, 50 degrés. Maintenant, ça commence à douiller un petit peu plus. On va commencer à fermer la porte. Voilà. On va également... désinstaller tout ceci. Maker a fini son chapeau, non, pas encore. Oui, il devrait l'avoir fini normalement, donc je suppose que Jean va aller se chercher son chapeau, il doit être quelque part, je sais pas où, ou pas. Les tâches. Ouais, enfin un chapeau melon. Je sais pas où il est. Il est là. On va juste faire un bon. Non, c'est un vieux, ça. Il n'y en a qu'un. Ah non, il l'a sur la tête. Hein. Voilà, c'est fait. Ok. Ok. Non, viens plutôt ici maintenant. Viens un peu me appeler le commerçant. On va déjà voir un peu ce qu'il va nous vendre. Ce petit monsieur. Alors, il nous vend des chats. C'est une bonne idée, mon ami. Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de chat, quoi. Bien qu'un chat, il coûte pas cher déjà, mais il ne salisse pas beaucoup. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous voyez, saleté de l'animal, zéro. Bon, il vous sert et alors rien d'autre qu'à faire des chatouilles à vos colons. Et donc, quand il y a un colon qui aime bien un chat, ben, il va gagner plus 5. Ce qui est pas mal. Plus 5 de morale. Ça pourrait se faire. Et bon, on s'en fout de la température, puisqu'ils vont rester à l'intérieur. Ouais, on pourrait peut-être en prendre un. Donc, tu manges combien ? 0,16. Donc c'est 3 morceaux de 3 roues quoi. 0,16, c'est uniquement du row quoi. Donc on va regarder ce qu'il y a d'autre. Hein. Donc les chats c'est fait, le dromadaire c'est moi qui peux le vendre, les béliers je peux pas faire grand chose avec. Les huskies, bon, ben, c'est combien de degrés, ça? C'est 40, tu oublies. Tu me vends de la pâte nutritive à 11, c'est une bonne idée, ça, mec. De la viande, très cher. Le riz, moi, je pourrais t'en vendre, par contre. Et je crois que c'est ce que je vais faire, déjà. Tu me vends du game fuel, de la neutroamine, tu me vends de la neutroamine, c'est intéressant. Des composants, je crois que je vais t'en acheter. Des composants avancés 213, quand même. Du tissu, alors qu'est-ce qu'on peut vendre? Laine de bison pour 25, je te la vends, ça j'ai la paix avec ça. Le diabétof, je le garde, l'hyperfibre, je le garde. Le cuir d'oiseau se vend pas trop mal. Le lézard, oui. Cuir de dromadaire, cuir d'éléphant,
là, il n'y en a que 9, hein, donc je ne vois pas comment je pourrais en récupérer. Je peux te vendre ceci à 7,44 et on voit que le joint smoky se vend un petit peu plus cher. Donc le TP Coé, on va l'arrêter et on va faire du smoky à la place. Hein. D'accord, enfin, on ne va pas faire, on sait déjà comme ça. Alors, tu vends du Lysiferium, c'est bien, mon garçon, c'est bien. Tu vends également de l'acier, tu vends. Non, tu vends. Si tu vends de l'acier, c'est bien. Tu vends de l'uranium. Non, tu vends pas d'uranium, bien sûr. Tu vends du plastacier. Là, je vais t'en prendre un peu. Ouais, mais enfin, on va déjà vendre pour le moment. Tu vends un petit peu de marbre aussi. Qui nous permettrait de faire une belle statue en marbre. Avec 50 de marbre, je peux vendre ça très cher. Beaucoup plus cher que je ne vends mes trucs actuellement. À part ça, tu vends du bois. Tout ça, c'est des choses intéressantes. Par contre, je peux te vendre des manteaux. Ça, je te garde. Veste en synthé, je la vends. Chapeau melon à 50%. Chapeau melon à 50%. Vous savez ce qu'on va faire? Le chapeau de cow-boy, on va le vendre aussi. On ne va plus aller aussi loin qu'à 51%. Parce que je vois que le prix de revente est vraiment mauvais à ce niveau-là. Vous voyez qu'à 78%, pour un bête truc en tissu à 78%, je gagne beaucoup plus d'argent. Je gagne 4 fois plus de pognon. Et 32 va m'équilibrer à peu près, ça va être à peu près le prix. Mettons que je le vende à 80, je vais dire, ouais. Ouais, on va vendre tout à. On va tout demander de liquider à 75%. À peu près 75%. Pour qu'on récupère vraiment un petit peu de pognon avec ça, je pense. Parce que 32 et ton même 30, il me faut 30 pour faire un chapeau. Il me faut 25 pour faire un chapeau. 20 ou 25 pour faire un chapeau. Et donc comme ça, au moins je récupère le prix de mon tissu ou du reste. Oui, mais ça c'est pour du tissu en plus. Hein, vous voyez que... Bon, chapeau de ça, on vend. Ça, certainement pas. Par contre, je peux t'en acheter. Hein, ça, je ne te rate pas. Je t'achète. Dommage qu'il soit bon. Alors, on a casque simple en métal, chef-d'œuvre. Toi, je vais te vendre. Hein. Normalement. Et l'or. Ensuite, j'ai des sculptures. Mais les sculptures sont à 132. Mais double en bois, bon, je te vends. Bien que je récupère pas mon fric, mais 44 pour 45. Tu vois, je peux le vendre que 44. Mais vraiment, on vend vraiment pas cher, hein, ce truc-là. Je peux pas vendre mes cornes, malheureusement. Et tout le reste, tu ne veux pas. Donc là, je récupère 554. Donc il faut que je continue à vendre des trucs. Je vais vendre mon casque chef-d'œuvre. Voilà, 153. Je vais vendre toutes mes sculptures. Voilà. 44 pour ça, je vais garder. J'en aurai besoin. Ensuite, je peux vendre quoi? Ça, je garde. Je garde. Manteau en cuir de dromadaire. Bon. Maman, tu pour 100. Il m'en reste 600 à peu près du cuir de dromadaire. C'est bien vendu ça, hein, mais bon. C'est, tu ne gagnais pas tellement. Hein. 200, il me faut 90 cuir de dromadaire. Et le cuir de dromadaire, il coûte... moi, je ne le vends qu'à 1,71, donc si je l'achète, il est dans les deux. Hein, admettons 2,20, 2,15, 2,20, quelque chose comme ça. 100, ça fait le prix, hein.
ça fait le prix. Donc pour le moment, je vais le garder. Mais pas rentable, hein. C'est dur. Hein. À notre niveau, là, ça devient un petit peu difficile. Hein. Donc, du plastacier, je vais t'en prendre, hein, bien sûr. Ça, je n'ai pas besoin. Donc, tout ça, c'est fait. Le cuir de lézard me sert à faire des chapeaux, des belles chapeaux. Mais je peux les faire aussi autrement. Donc on va te vendre aussi. Du tissu, ben on va en vendre un petit peu puisque j'ai l'occasion maintenant d'en faire. Donc je peux t'en vendre une centaine sans problème, 200. On va me dire 400, 500, hein, 600, pourquoi pas 800. Voilà. Ce qui me permet de t'acheter peut-être, non, 34 pour 10, 10 de fer, 10 d'acier, 12 d'acier qu'il me faut. 12 d'acier, non, ben, 12 d'acier, je te l'achète ici, ça me ferait 28, et 34, donc moi le travail. Oh, on va t'en prendre 2, 3, hein, comme on dit, 2, 3, ça sera suffisant. Je peux t'acheter de l'hyperfibre. Je vais t'acheter de l'hyperfibre. Beaucoup d'hyperfibre. Là, je suis à 70. Eh bien, mon ami, je vais encore t'acheter beaucoup d'hyperfibre. Ben, je t'achète tout ton hyperfibre. Excellent! Excellent! Je t'achète tout ton hyperfibre. Je vais t'acheter ton plastacier. Je suis à combien? Ouh, non, je ne peux pas aller jusque-là quand même. Hein. Ouais, on ne peut pas aller jusque-là, ça c'est sûr. Là, l'hyperfibre, elle n'est pas chère, hein. Elle n'est pas chère. Par contre, je vais... Voilà, 427 et 33, 460, ça me fait comme ça. Restera 1004, je vais. Non. Je vais pas prendre de plastacier pour l'instant. Comme ça, il me restera quand même 1200 balles. Parce que j'ai besoin d'un peu de sous. Si je veux acheter. Voilà. Il me restera 1500 à peu près. Donc si je veux acheter un truc spécial de... Ok, on accepte. Ça, c'est assez génial. Hein. Hyperfibre. Ouais, pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal du tout. Pas mal du tout, du tout, du tout. Donc, fabriquer un manteau, tu peux me faire du manteau en ça et en hyperfibre. Voilà. Ouais. Ouais, c'est bien. Maman, 10, c'était beaucoup. Parce que là, ça va en faire 7 à 80. Ouais. Ça va tout me bouffer. On va déjà...
de t'en faire deux. Allez. Alors, qu'est-ce que c'est ? Un refuge pour des amis, ça semble intéressant. Ça semble intéressant. Outpost, qu'est-ce que tu nous dis ? Non, Outpost, pourquoi tu me donnes pas ça de l'autre côté ? Non. Ah, je suis obligé de garder Outpost, donc je n'ai rien à faire avec. Hein. Allez, adieu. Adieu. C'est foutu. Un but, tu vas arrêter de me creuser des trucs à 30... à 38. Hein? C'est pas bien, ça. Dis-moi que le mec, il est venu me prendre là, il a fait tout le tour comme ça pour me le ramener, c'est ça? Ouais, je pense. Vérifions ça. Voilà, tu vois là, il part, là-bas. Hop, ils font tout le tour comme ça. Donc là, on a un petit pépin. On va peut-être regarder dans Herbivore le problème qu'ils ont, hein. Voilà, par exemple, on va faire comme ça, déjà, hein. Voilà, déjà. Et puis, vous venez jusque-là, les gars, pas de problème, hein. Parce que sinon, on va... Et tout ça, bien sûr. Hein, voilà. On va jamais y arriver, hein. Ouais, là, on va jamais y arriver. Allez, roule. C'est un petit peu gênant. D'ailleurs, je pense qu'on va pousser à 28 degrés, 29. Une fois qu'on sera un peu trop haut, on va. Je pense qu'on va les enlever. En tout cas, en enlever une partie. Le riz, par exemple, on va le virer, puisque généralement, ça ne me sert plus à rien. Une fois qu'il fera trop chaud, je vais carrément, on va les récolter et puis on va les couper. Je pense que ce sera le plus intelligent à faire. C'est pas la peine de garder des trucs tournés pour rien, quoi. Non, ça n'a rien à voir. Ça, voilà, les installer. Allô. Dommage. Hein? Jean, tu vas me refaire quelques sculptures. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme pierre ? Ouais, un peu de tout. Par contre, beaucoup de comme ça. Donc, Jean, tu continues. Ok. Jean, où es-tu? Bon, moi, j'aime bien comme... Je vais remettre Chauve ici au début, parce que ça m'embête. J'ai toujours souvent besoin de lui. Et je le mets avec Grizzly, voilà. Becker et Libellule. Ok. Ensuite, on prend Sky et Dan. Voilà. Dan et Sky, parfait. On va plutôt faire comme ça, sinon. Ça manque Ikine. Je ne sais plus où j'en suis autrement. L'anarchiste, tu nettoies bien, c'est parfait. Regarde-moi ça. Oh, t'aurais pu faire le petit dernier, hein. Ah non, il n'y a plus. Ah, plus. Est-ce que nos animaux ont à manger ? Je pense. C'est parfait. Ok.
aussi pour la musique anarchiste. On s'en fout. Et donc, Jean, tu me fais quoi, Jean? Tu fais de la relaxation, ok, ça ne me dérange pas. Alors, ici, je voudrais avoir en critique, je veux avoir une arme de mêlée excellente, légendaire, venez de massue. Ok. Et ici, je veux avoir des grenades, grenades IEM. On va plutôt les laisser là, les grenades IEM. Et on va dire qu'on veut quand même avoir un fusil de précision, ok. Et tu veux ça en bon légendaire, ok, je n'ai que de l'excédent, c'est parfait, je pense. Ensuite, ici, dedans, je veux diminuer à haute, c'est parfait, bien. Prends ça quand on en aura besoin. Sky, tu dois être soigné, je pense. Et donc... Non, elle a déjà été soignée, je suppose. Grippe importante, grippe 76, 85%. Ok. Ça tourne. Bon, ici, nous sommes maintenant à 42 degrés et nous sommes en extérieur à 45 degrés. Donc ça commence à monter encore. Et nous avons encore une petite série de cases à faire ici. Ok. Je vais enlever celle-ci et on va la mettre ailleurs. On va la mettre ici, je crois. Pour l'instant. Comme ça, je pourrais couper ce truc. Okay. Sky, tu me le fais d'ailleurs tout de suite. Voilà. Ok, merci les gars. Et donc... dès que celui-ci est plein, on va le tirer de là. Ensuite, ici, il nous reste ça à faire et un petit peu là-bas. Donc, on va déplacer celui-ci là-bas. Et on va regarder ici les portes, s'ils restent bien ouvertes. C'est un petit peu idiot que les gens passent à travers. Et qu'elles ne restent pas ouvertes. Parfait. 13 jours. Bon, je pourrais avoir un petit raid de pirates, s'il vous plaît. Juste là-bas. Si c'était possible, hein. Bon, si vous voulez pas. Ok. Tant pis, hein. Enfin, avec, hein. Bien, on a fini dans ce coin-ci. Ok. Ensuite, je vais demander pourquoi est-ce que Jean
tu m'embêtes, hein, Jean, regarde, on t'a demandé de ne faire que 25%, tu as 29%. Et donc, tu vas me stopper ce truc. Bien. C'est gentil de penser à ramener le matos. Ensuite, nous avons besoin de 91%, c'est parfait. Ici, on a déjà positionné la plupart de ce que je voulais qu'on place. Ok. Ici, nous avons bientôt fini ceci. Et c'est Libellule qui s'en occupe. Parfait. On va la laisser faire. Et on va regarder un petit peu si nous avons d'autres personnes qui peuvent aller avec elle à l'extérieur. Donc ça, c'est constructeur. Ok. Donc j'ai tout pour le chauve et j'ai tout pour anarchiste qui peuvent aller porter des trucs. Ok, c'est bon. Ok. On va vous laisser faire pour le moment. Bien ma biche. Alors que vas-tu faire après? Tu vas miner de l'ardoise. Bah tu vois, moi je voudrais... Ah, c'est du cuir de lézard. Ok, on annule. Ensuite, on va recréer des sacs de sable en tissu, bien sûr. Je sais plus comment je l'avais fait, mais comme ça à peu près, je crois. Comme ça, t'es protégé là, t'es protégé là, t'es protégé là. Toi, tu vas tirer et tu vas protéger ici aussi. Voilà. Et donc, Libellule, ma chérie, bah tu viens. Voilà. Fais-moi ça. Ensuite. Bah, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, toi, je pense que tu gênes un petit peu en étant ici. Je pense que tu gênes les ânes. Voilà, on va faire comme ça. Donc ça, normalement, c'est un petit truc vite fait dans le cas où il y a un blessé qu'il faut soigner rapidement, quoi. Hein. Bon, on a terminé ici. On va commencer à nettoyer. C'est bien. Regardons un petit peu comment ça passe. 39 degrés, extérieur 46 degrés. Donc là, on peut donc grâce à ça faire pousser pour le moment ceci sans trop s'en préoccuper. Nous avons une croissance à 70%, donc c'est parfait. Hein? Jusque là, on est très bien. Au mois d'avril-mai, on pourrait agrandir encore un petit peu, mais je souhaite à la limite, ouais, mais non. Ici, je dois fermer la porte. Ouais. Et nous devons également fermer cette porte-ci. Ok, c'est fait. Nous allons commencer à creuser là-bas. Parce que j'ai absolument besoin d'agrandir ceci. Et on va... Pardon. Allez, Command Boy, je suis occupé de faire tourner tout mon truc. À partir d'ici, ça sera très bien. Et on va te mettre... comme ça. On va le faire par 5. Et on va te mettre une ampoule. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je peux creuser. Alors, nous avons combien de cases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, aucun problème. 10, aucun problème. Je peux très bien couper tout ça. Et celui-ci aussi. On va garder celui-ci. Et on est bon. Ok. Donc, toi. Ou plutôt, toi. Viens ici. Voilà, et prenons également la batterie.
mais plaçons-la aussi ici. Ok, les zones. Étant une zone autorisée, herbivore, ok, carnivore, ok, colon intramuros, ok. Allez, on y va, on le marque comme ça. Maladie grave, qui est-ce qui est ma Sky? Ok, c'est la fin de ton... Ça doit être la fin ici. Grippe extrême 83, immunité 94. Donc cette fois-ci, je te mets sans médicaments. Je te demande d'arrêter. T'ailles dormir. Je suppose que tu vas y aller de toi-même. Allez, arrête-toi. On va jouer aux échecs et va te soigner. Voilà, elle est partie se mettre au lit. Et nous demandons à Vache de la soigner. Voilà, c'est parti. C'est la dernière fois qu'on doit te faire des soins. 53%, c'était très joli. Tu es maintenant à 96%. Ça se termine. Eh bien, c'est parfait. Où en est Monsieur Maker? Il est encore occupé pour l'instant de me construire un casque de commando. Bon, on est au bout. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 2, 4, 6, 8, 10, 11, moins le chauve, 10. Donc, normalement, il m'en faut encore un après celui-là. Si je ne me trompe pas. Ouais, encore un. Ensuite, décomposant avancé. Ok, on a déjà installé la lumière là-bas. C'est parfait. Et Decker est parti. Il est parti un petit peu travailler. Excellente idée. Alors, pour ne pas oublier, on va également mettre un petit mobilier ici du type je sais pas. Bon, on va se mettre un petit pour animaux, voilà. Parfait. Mais je vais l'interdire aux animaux. Donc, on va mettre la zone. Et je veux retirer deux herbivores. Ceci, je veux retirer deux herbivores. Intramuros, je veux retirer de carnivore et je veux retirer de carnivore intramuros. Voilà, nous n'irons pas dormir dedans, mais il faut dans les 30 cases pour appeler les infestations. Vous avez besoin que il y ait une structure dans les 30 cases. Ok. Bud, veux-tu t'occuper de... Bud? Ah. Bon, on va laisser faire. Voilà.
Sky. Ouais, bah vas-y, si t'as envie, va le faire, mon gars. Sauf que je veux qu'il aille plus loin. Ici. Ensuite, on va, puisqu'on a terminé nos ordres ici, on va continuer, mais on va revenir un peu plus sur le côté. Par 5, voilà. On va faire comme ça. Toi, tu fais... faire. Ah, une maladie maintenant. Les mécaniques sensorielles. C'est une saloperie. C'est une nouvelle pauvre Sky qui se prend tout. Pff, les maladies, qu'est-ce qu'on peut s'en prendre dans le nez? Mécanique sensorielle, par contre, elle se prend de la douleur, mais... Par contre, elle augmente beaucoup. Elle augmente beaucoup tout son ensemble, hein, tout ce qu'elle a, quoi. Ok, donc on va la laisser avec ces médicaments-là. Allô, tu vas déplacer ça. Voilà, et puis tu vas bouger. Tu me fais quoi? C'est Sky? Ok, bah va te reposer, ma belle. Ensuite, ça, il faut que je le redéplace vite fait ici. Et c'est Allo qui va le faire. Ah, c'est Libellule qui va pas le faire. Libellule, as-tu terminé ton travail par ici? Libellule a fini son travail. Ça, c'est sympathique. Bon, ça, c'est une bonne chose de faire. On va maintenant creuser un petit peu, rajouter quelques murets, comme ceci. Je souhaite un mur ici, un mur ici, un mur ici, un mur ici, ici, ici et ici. Et ici. Voilà. C'est pas mal. Ensuite, je veux également rajouter... Ce truc qui est ici, on va en mettre un là. Je voudrais mettre également... Ouais, je pense que c'est bon. On va pas trop en faire. Si, on va continuer par ici. Avec toi. Celui-ci. Encore une étiquette. Ici, c'est parfait. On continue puisqu'on en a encore tout plein. Là, et un petit dernier pour se faire plaisir. Qui va venir là. Ensuite, on devra également, après, commencer à travailler ceci. Parce que j'ai bien peur qu'ils viennent s'amuser par ici. Maintenant, je peux mettre également une sécurité. Nous allons positionner une sécurité. On va se mettre une mini tourelle ici. Voilà. On va la mettre là.
Mais on ne la mettra pas en route. Hein. On met une ici et je crois. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai de l'ardoise. On va la miner, cette ardoise-là. Voilà. Et on va la miner tout de suite. La marchiste, d'ailleurs. Peut-être s'il finira un peu ton travail, le chauffe. Tu sais miner, toi? Ouais, tu sais miner, bien sûr. Ouais, mine. Mine, ma poule. Ensuite, ça va revenir ici dedans. Voilà. Ah, je sais bien, ça fait pas beau, c'est pas facile, hein, le show. Surtout que tu vois qu'il y a Grizzly qui n'en fout plus une. Ce qui m'étonne d'ailleurs, pourquoi est-ce que Grizzly n'est pas... Oui, je sais pourquoi, bien entendu, étant donné que la zone, on a oublié de la finir. Et là, les petits jeunes. Colon Tramoros. Allez, hop. Voilà. Ça, c'est Colon Tramoros. Ok. Température extérieure. 48. Température 45. On va encore un petit peu agrandir, je crois, cette zone-ci aussi. Mais uniquement à un endroit. Je ne sais pas encore où. En tout cas, voilà, on continue. Laissons faire. Ça s'en va. Bud. Ok. Allez vous reposer, les enfants. Vous avez bien travaillé, c'est pas mal. Jean, t'as déjà fini toutes tes... Anarchiste. Ok. C'est bien, mon garçon. C'est bien. Tiens, prends ça avec toi, tant que tu y es. Hein? Voilà. C'est pas mieux comme ça, tu viens? Ah. Bon, dommage que nos quêtes... dommage que je sois un peu trop couillon. Pour avoir osé faire la quête là, mais bon, je suis pas certain que ça aurait été une très bonne idée. Je ne pense pas que ça aurait été une très bonne idée. On en a déjà un truc qui nous prend sur le nez, je pense que c'est suffisant. Bon, voilà l'infestation. Et où est-elle? Où est-elle? Ok. Elle est là. Ok. Bon. Alors vous me sortez vite là, de là, les gars. Vous venez. Ah, vous venez ici. Parfait. Eh bien, ça tombe bien, on n'a plus de viande. On n'a plus de viande, donc on va en refaire. Hein. C'est une bonne idée. D'ailleurs, tant que j'y pense, je vais ajouter une zone ici. Avec tout plein de gel, hein, de gelée. Pourquoi pas, hein. Voilà. On copie les paramètres et on les colle. Et parfait. Bon, écoutez, moi je vous invite à suivre notre petite infestation. Je sais plus où elle est. Elle était où? Où est-ce qu'elle est?
Ouais, c'est ici, hein. Infestation. Ouais, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il doit en avoir. Va en avoir beaucoup, 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 à mon avis. Eh bien, écoutez, je vous invite à suivre ça dans la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.